La présence des animaux dans les rêves est loin d'être anodine. Ainsi, il serait judicieux d'interpréter ce type de rêve comme il se doit. En effet, la symbolique peut être différente d'un animal à un autre. C'est pourquoi nous allons tenter de vous expliquer ce phénomène au sein de cet article. Rêver de chien, signification. Selon la psychanalyse freudienne, la présence d'un chien dans un rêve est un signe positif. Ainsi, il symboliserait votre inconscient et cette part que vous souhaitez domestiquer chez vous. Toujours selon Sigmund Freud, la présence du chien dans le rêve peut avoir une fonction protection. Ce fait est notamment avéré lorsque vous rêvez d'un chien que vous avez eu pendant votre enfance par exemple. Rêver de chat, signification. Si vous avez tendance à rêver d'un ou plusieurs chats pendant la nuit, sachez que cela n'a rien d'anodin. Selon l'étude réalisée par Sigmund Freud, le chat serait associé au sexe féminin. Ainsi, le fait de le contempler ou de le caresser dans un rêve représenterait un lien fort avec la femme. Néanmoins, la psychanalyse jungienne rétorque que la présence du chat ferait allusion à une situation angoissante. Selon lui, le chat pourrait donc être bénéfique ou maléfique en fonction de sa conception. Rêver de chevaux, signification. Le cheval est l'un des animaux qui revient le plus souvent dans les rêves. Il représente une forte symbolique dans laquelle ce sont les notions de force et d'élégance qui reviennent fréquemment. D'après Freud, la présence d'un cheval dans un rêve représente des pulsions sexuelles refoulées. Ainsi, il révélerait la puissance inconsciente de vos désirs inavouables envers une ou plusieurs personnes. Pour éveiller cette thèse, Freud retient la très grande taille du sexe du cheval lorsqu'il est en érection. Rêver de serpent, signification. Vous est-il déjà arrivé de rêver d'un ou plusieurs serpents? En effet, ce type de rêve fait partie des plus fréquents car le serpent est l'un des animaux qui font le plus peur aux êtres humains. Pour Sigmund Freud, la raison de la présence du serpent dans les rêves est principalement sexuelle. Ainsi, il avance que le serpent représente la manière dont vous vivez votre sexualité. De ce fait, la façon dont vous allez réagir face au serpent dans votre rêve pourrait révéler votre situation personnelle face à vos pulsions sexuelles et vos désirs. Toujours d'après Freud, le fait de rêver des serpents pour un homme aurait un lien avec la peur de la castration. En effet, beaucoup d'hommes ont une phobie de se faire couper le sexe à un moment dans leur vie. Enfin, sa thèse avance que lorsqu'une femme rêve de serpent, il se pourrait qu'elle ait une forte envie d'être pénétrée ou de posséder un pénis. Rêver d'araignée, signification. La présence d'une ou plusieurs araignées dans un rêve n'a rien d'anodine. D'après l'interprétation jungienne, l'apparition d'une araignée dans vos rêves est le signe d'un besoin de changement. Ainsi, cette pensée amène à vous encourager à avoir une meilleure connaissance de votre personne afin de prendre de nouvelles décisions bénéfiques.